Tous les secteurs d'activité, les entreprises, surtout la manufacture, ont besoin des designers. C'est le côté visuel qui fait beaucoup plus d'impact. Alors, il faut former ces designers. À Maurice, il y a l'Academy of Design and Innovation qui forme justement les jeunes pour les métiers créatifs. Alors aujourd'hui, on va découvrir cette académie, la formation qu'elle donne et aussi la motivation qu'elle donne aux jeunes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, Madame Sabrina Ramsamy-Irena, donc vous êtes la directrice de EDI, Academy of Design and Innovation. Raconte-nous un petit peu l'évolution EDI, quand il commençait, quand il était aujourd'hui. Alors, EDI, l'Academy of Design Innovation, avant c'était le Fashion and Design Institute, qui était créé en 2009 pour répondre à l'industrie du textile. C'est une grande demande de l'industrie du textile et aussi les autres secteurs de créativité. Et nous, sous le ministère de l'Industrie et du Développement Coopératif et SMEs, nous tiennent un mandat pour, comme se dirait, faire bon cours, bons élèves, petits groupes qui sont capables de répondre à la demande spécifique de ce que l'industrie a besoin. Alors, nous changeons parce que nous trouvons qu'il y a une évolution dans le secteur créatif. Nous sommes le seul institut qui peut donner pendant 25 ans, pour ce dire. Avant, il y avait School of Design, après il y avait Fashion and Design Institute, maintenant l'EDI, qui dans la région, qui est très, qui est quelque chose qui est très important, un institut qui vraiment reflète l'économie, secteur économie, de créativité, qui est reflété partout. Maintenant, avec nos smart cities, l'évolution, le côté l'advertising, digital technologies, nous avons besoin de faire sa transition sortie dans que fashion l'industrie textile, nous évoluons dans plusieurs industries de créativité. Et être vu partout, manufacturier, dans la finance, dans le tourisme, le sport, nous avons besoin du domaine du visuel qui est partout. Alors, nos élèves, c'est des élèves très créatifs, qui ont la passion pour la créativité. Et nous avons envie, comme tu dirais, nous fondateurs pour le secteur émergent. Un pays, il a besoin d'une lame de créativité. Et nous targetons ces élèves-là, qui ont sa passion pour la créativité, qui sont capables de venir avec nous. Nous ne prenons pas beaucoup. Nous prenons une élite qui est vraiment innée, qui a gagné sa créativité-là des autres. Et nous promouvoir, nous avons envie, comme tu dirais, ensemble avec eux. Et nous avons envie de réfléchir ça aussi. Nous pouvons move un petit peu vers l'Afrique. Ça veut dire nous pas simplement target que les élèves mauriciens, mais africains aussi. Nous regroupons un peu dans un pays comme Madagascar, un petit peu dans le Kenya, tout ça. Et nous pensons, comme tu dirais, deux ans, nous commençons à deux ans, nous pensons, comme tu dirais, rentrer dans le marché africain aussi. Maintenant, nous pas fait côté de sectisme. Nous avons le côté graphique et multimédia, qui est un des piliers de ce secteur-là. Tous nos bons élèves qui partout dans les agences, et nos bons élèves à l'époque, c'était School of Design. Maintenant, nous avons plus d'élèves dans ce secteur-là. Et puis, nous avons le secteur émergent, c'est la construction, le interior architecture, qui a une grande demande pour ça. Et nous cours, c'est vraiment au niveau qui, comme se dirait, parce que nous avons ce mentorship-là, l'accompagnement-là, le niveau assez haut, nous assez assidu le niveau qui nous besoin. Nous prenons le travail, le bon portefeuille de travail, le bon portefeuille de créativité, de dessin, de ça, pour vraiment connaître que les élèves ont besoin d'aller. Nous avons aussi la bijouterie, qui est un secteur qui est grand dans l'économie de Maurice, mais nous assez petit. Nous pouvons commencer petit pas, et ça, si nous pouvons lancer, bon, d'ici là, mais nous pouvons évoluer un petit peu plus avec tout le secteur. Et puis, nous avons l'artisanat, c'est un secteur émergent qui n'a aucun qui peut toucher ce sujet-là, mais c'est un secteur qui est vraiment émergent, surtout pour le tourisme. Nous avons aussi art, comme je dirais, art and design en général, artiste, mais aussi avec le développement durable. Nous, notre programme, c'est le développement, là, le SDG Goals, et c'est ça qui nous fait nous différencier, nous, un petit peu. Nous, pas une grande institution, nous, petits, nous pouvons grandir à petits pas, parce que nous créons ces targets, ces élèves qui vraiment apportent la créativité dans toute l'économie de Maurice. Est-ce que tu travailles aussi de concert avec le secteur privé ou les autorités, le gouvernement, pour design certains coûts par rapport à la demande qu'il y a?
Oui, effectivement, parce que nous faisons un training analysis dans tout secteur, pas seulement l'industrie du textile, l'industrie du manufacturier, le tourisme, partout nous demander, surtout dans le monde de construction aussi, qui a demandé ça, l'advertising, digital, maintenant c'est toutes les choses, c'est digital marketing. Nous faire un training et nous avons nos stakeholders qui viennent, qui guident nous, donc qui a des programmes, qui nous invite dans nos programmes, et c'est one-to-one. Hein. Et nous faisons plusieurs sessions avec eux, nos programmes développés par rapport à ça. En ce moment, nous avons un programme qui est awarded par l'université locale et une université dehors, l'Angleterre, mais nous payons maintenant un awarding body. Alors ça, c'est la grande différence que c'était le Fashion Design Institute, l'Académie maintenant, nous avons un awarding power pour faire nos programmes et nous-mêmes. Alors, avec ça nouveau élément, qui nous, puis octobre l'année dernière, nous avons réussi à pouvoir de créer nos propres programmes, nous avons un petit peu plus de flexibilité, nous avons l'industrie plus involve dans plus de secteurs qui peut en demander. Alors nous travaillons directement avec tous nos stakeholders, le directeur du compagnie, dans différents, que ce soit gouvernement, que ce soit privé, nous devons donner un appui pour développer nos programmes. On nous connaît qui technologie maintenant est élargie dans tout secteur. Ben, l'étudiant, ben, jeune surtout, vous êtes très connecté avec la technologie. Est-ce qu'ils prennent en considération les nouveaux développements de technologie, par exemple l'intelligence artificielle, mm-hmm. quand vous payez d'un bon coup ici? Oui, effectivement. Ça veut dire que quand nous faisons nos programmes actuellement, que ce soit toutes les awarding bodies qui nous font travail, nous-mêmes nous faisons nos briefs. Alors dans nos briefs, nous prenons en considération la technologie. Ça veut dire nous ban logiciel, nous ban facilité qui nous donner, et la créativité mélangée avec le AI et nous faire lire dans nos briefs. Nous faire des affaires virtuelles, je te faire avant quand on design des affaires, je capable servir un logistique virtuel pour trouver comment il était avant que je te faire cette implémentation du produit. Alors ça c'est un élément qui nous mettait de commencer à s'évoluer. Nous voler petit à petit avec la technologie, l'évolue vite. AI nous permet dans les autres dimensions. Et bien, app tout ça là, alors nous allons ensemble. Nous allons aller ensemble avec. Nous adapter facilement. Et nous gagnons le soutien du ministère et du gouvernement pour donner nous ça, la plus logistique qui nous bise là. Le focus est sur le design, mais nous avons aussi l'aspect technique, c'est-à-dire développement de tissus, comment construire les vêtements, etc. Donc, design, c'est dessin particulièrement. Maintenant, comment prendre une idée et former, pouvoir avoir un produit final. Donc, c'est ça qu'on fait ici. Alors, on dit Academy of Design and Innovation. Alors, la partie innovation, on sait que les jeunes sont connectés avec la technologie. Maintenant, la technologie est partout, surtout avec AI qui vient. Est-ce que vous prenez ça aussi en considération quand vous faites la formation? Oui, bien sûr, on essaie de voir aussi quelles sont les nouvelles technologies qui sont utilisées, etc. Bien sûr, on commence par la base, donc savoir les procédures conventionnelles. Mais on va aussi voir quelles sont les demandes des industries, voir qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc. Donc on a besoin d'être en ligne avec ça. Les entreprises, ils sont agréablement surpris par le nombre de choses que les étudiants apprennent ici. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne sont pas limités dans un département de design, éventuellement. Donc, ils apprennent beaucoup plus de choses aussi là-bas. Parfois, la perception est que sortant d'ici, ils sont juste stylistes, mais ça ne se limite pas au stylisme. Donc, ils vont beaucoup plus loin. Donc, ça peut être des patronniers, ils peuvent être experts aussi en fabrication de tissus. Donc, ça comporte tout ça. Et les étudiants, quand ils reviennent de leur placement, qu'est-ce qu'ils rapportent des entreprises? Ben, aussi, ils aiment bien en fait, parce que c'est simplement dans les entreprises qu'ils pourront utiliser le knowledge, le know-how, afin de le développer davantage. Donc, ça les aide à comprendre aussi comment l'industrie fonctionne. Et ces placements-là, je pense que c'est quelque chose de très important pour les étudiants, justement. Ça complète justement leurs études ici. Donc, au final, on a toujours des positives responses.
je pense que tous les étudiants ont besoin d'acquérir des skills. Donc, ils ont besoin d'acquérir le savoir-faire des choses. Et du coup, ils vont apprendre la base, comment dessiner, mais pas seulement limité au dessin, aux peintures, mais ils vont aussi exploiter des différents médiums comme la technologie. Donc, on aura des logiciels, le Photoshop, AI et entre autres, et aussi dans le département de textile aussi. Et là, ils vont exploiter tous ces médiums-là, savoir acquérir des savoir-faire et après, plus tard, choisir la filière dans laquelle ils veulent partir. Est-ce que vous voyez que les industries demandent de la créativité? Évidemment, moi je pense que la créativité, c'est quelque chose qui est en must. C'est aussi donc du coup l'innovation. Et l'innovation vient par la créativité de savoir-faire, mais aussi la créativité de penser, de savoir-penser. Et là, on a aussi parmi ce qu'on fait, on éduque les étudiants aussi dans l'histoire de l'art. Donc l'histoire de l'art qui est une fondation importante pour que l'élève puisse aller au-dessus de l'art et voir même pourquoi pas aller vers l'avant-gardisme. Donc du coup, c'est l'innovation. Donc je crois que c'est beaucoup plus important que les industries ACE. Quand vous dites avant-gardiste, l'innovation, est-ce qu'il y a des possibilités de spécialisation justement dans ce côté créatif? Exactement. Donc du coup, comme je vous ai dit, à l'institution, les étudiants peuvent se spécialiser dans le domaine de art and design même, qui peut déboucher sur différentes, sur principalement deux filières, moi je dirais. Donc ça peut déboucher sur les beaux-arts, donc l'élève peut choisir à devenir un artiste, ou aller dans l'éducation aussi, donc il aura la possibilité d'aller dans le professorat, ou pourquoi pas aussi d'aller dans le domaine de l'industrie. Là, ils vont travailler avec des compagnies, des industries, mais aussi la possibilité pour que l'élève devienne un freelance aussi. Donc nous avons toute une panoplie d'ouvertures pour nos étudiants qui viennent ici à EDI. Je me suis inscrite à EDI parce que j'ai toujours été passionnée par l'art et la mode, création de la mode, fashion, dans tout ce domaine. Je suis venue à cette école pour ça. On apprend ici l'art en elle-même, fashion, on apprend aussi l'architecture, on a des cours d'architecture, de graphic design. On a 2 ans donc, dans tous ces domaines, puis on a 3 ans encore dans ce qu'on a envie de se spécialiser. Donc moi, par exemple, je veux faire fashion, donc je vais me spécialiser en fashion. Comment vous avez entendu parler de EDI? C'est une coïncidence, je suis passée sur la route là en partant quelque part et j'ai vu ça, j'ai fait « Ah mais on fait quoi si j'ai fait des recherches et tout ?» Donc après j'ai vu qu'on apprenait tout ça là ici et je fais « Mais c'est génial !» Donc je me suis inscrite ici et voilà. Alors quelle est l'ambiance dans les cours ici à l'école? On est très à l'aise et on apprend beaucoup de choses, beaucoup de différentes choses. Moi-même, j'ai appris plein de choses aussi que je ne savais pas. Et je suis très contente de découvrir tout ça parce que ça nous aide beaucoup dans, par exemple, fashion. On apprend aussi la texture de la toile, comment créer des textures sur les toiles, différents motifs et créer beaucoup de choses comme ça. Donc, voilà. Alors, quelle est votre ambition après avoir fini le cours ici? Moi, je vais être styliste, je veux lancer mon propre business et puis plus tard, on va voir si je vais emmener des gens travailler avec moi, leur montrer à mon tour ce que j'ai appris ici. J'ai décidé de suivre ces cours-là parce que j'aime la mode. Et je suis déjà dans le domaine, ça fait 11 ans déjà, je connais coudre. Et je suis venue ici pour apprendre un peu plus, parce que ce qu'on a appris, on apprend ici, c'est différent déjà ce que j'ai, ce que je connais. Comment vous avez entendu parler de EDI? Je connais ce cours-là quand j'étais à Madagascar. Et j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé que c'est très intéressant ce qu'il y a ici. Et parce que j'ai vu, il y a beaucoup de cours. Et ce qui m'a intéressé le plus, c'est dans le côté de vêtements. Mon ambition, c'est quand j'ai fini mes études, je vais retourner dans mon pays, à Madagascar, et j'aimerais ouvrir mon propre boutique de mode et l'atelier aussi. J'aimerais avoir ma propre marque et je serai l'entrepreneur.
un étudiant qui sortit des pays EDI, il pour envie de travailler ou soit lancé dans l'entrepreneuriat, est-ce qu'il est facile pour lui pour trouver de l'emploi ou commencer au business? Alors, dans nouveau programme d'études, MUNA Work Placement. Avant l'élève l'a terminé pendant 2 années, nous donnons 8 semaines, aller dans l'industrie avec un programme, un brief, qu'ils ont besoin à faire là-bas. Avec, normalement, c'est l'industrie qui prépare le brief avec nous après. Et les élèves-là y aller pour un aperçu de qui le marché et qui l'industrie, dans l'industrie, comment ça se passe. Alors, ce que nous faisons là, avant que les élèves-là terminent, nous déjà faire une interview, l'employé vient demander nous qui sont les élèves. Nous avons beaucoup de monde pour les élèves. Au contraire, nous n'avons pas qu'à répondre à l'appel de tout le monde, toute l'industrie, surtout le domaine du graphic design, interior design, même les fashion design, ça devient de plus en plus difficile parce que nous, les élèves, comme je dirais, vous êtes un petit peu le devoir ailleurs ou bien rentrer dans l'entrepreneuriat. Surtout, ça qui est environ dans l'entrepreneuriat est très facile parce que nous, le programme aussi, nous avons un genre d'accompagnement incubator, nous avons un genre de coaching, comment être un entrepreneur. Ça, c'est font partie de nos mandats, de nos buts d'EDI. Et au conseil pour l'emploi, l'escalier, que tous nos bons élèves facilement intégrés à l'industrie, ils sont embauchés assez vite. Et avant même que je termine, nous finissons la demande, parce que c'est déjà fait comme si c'était être connu dans tous les secteurs. Alors nous plaçons nos élèves, nous avons comme si c'était un database de tout ça, et toute l'industrie qui nous accompagne pendant 25 ans, parce que c'est une école de design qui était là depuis bien longtemps, et de tout temps viennent vers nous avant ou d'ailleurs. Alors ça, c'est nos atouts un petit peu qui nous viennent, parce que nous connaissons une réputation que nous produisons à nos élèves techniquement, design et le côté technique bien fort. Business Connect, c'est terminé pour cette édition. Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver sur nos plateformes multimédia. Au plaisir de vous retrouver une prochaine fois. Au revoir.